Parce que la pop culture est aussi affaire de nostalgie, chaque mois dans cette émission, nous remontons le temps pour vous parler d'un film, d'un album, d'un comics, d'un jeu, en tout cas d'un classique dont le simple nom suffit à nous rappeler quantité de bons souvenirs. Et alors vous allez me dire, pourquoi la salade ? Pourquoi la salade, Joe ? Pourquoi on appelle ça la salade ? Tout simplement parce que c'est bon, c'est vert et c'est sain, tout comme nos origines. Ce mois-ci, retour dans les salles obscures à la rentrée 1986. Il y a donc 30 ans, nous aurions pu vous parler, par exemple, parmi tant d'autres, de ce film. Two beers, alright? One for me, one for me, mate. Ouais. Sauf qu'en fait, non. Non. On pourrait aussi vous parler de celui-là. Vous savez, celui qui a été également utilisé en titre de chanson pour cet artiste qu'on appelle Mousse. Within these walls, men come to seek God. Mais en fait, non. On a décidé que non. On a choisi de déterrer une authentique vieillerie, un truc vraiment, mais alors vraiment, 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 vraiment ouais. Chouette. On n'a pas d'autres mots pour le moment, on n'a que chouette. Mais c'est bien chouette comme mot, c'est parlant pour les gens, je pense. Les jeunes, en tout cas, apprécient ce mot. The balance of power, the safety of America, and the fate of the free world are all in the hands of a woman named Whoopi. Jumping Jack Flash est un film américain de 1986, donc réalisé par Penny Marshall, qui a également réalisé Big avec Tom Hanks. Super film, mais pas grand chose d'autre de réellement excitant finalement. 20th Century Fox presents Tom Hanks. Big. Mais là tout de suite, vous vous demandez pourquoi parler de Jumping Jack Flash. Eh bien parce que. Je vais te le dire, Joe, parce que Whoopi Goldberg, déjà, Jumping Jack Flash n'est que son troisième film, le deuxième étant rien moins que La couleur pourpre de Steven Spielberg, et que si quelques années plus tard, après le premier Sister Act, ce sera le début des emmerdes dans sa carrière, à l'époque, elle est en passe de devenir une méga star. Whoopi. Get it. On aime également ce film pour son pitch profondément daté, puisque dans le film, Whoopi Goldberg, on dit pas Whoopi Goldberg, ça dépend, Whoopi, non, ça dépend des pays. Whoopi Goldberg. Bref, elle interprète une employée de banque qui communique dans le monde entier avec ses clients grâce à un ordinateur. Et qu'un jour, elle se retrouve face à un message codé. Et que des gens meurent et qu'une conspiration doit être mise à jour. Alors cela ne vieillit pas très bien, on va pas se mentir, mais ça rend le film plutôt touchant, en tout cas bien davantage que Track sur Internet. Sauf si on aime les bouses. Ouais, mais au risque de plomber l'ambiance, nous aimons aussi ce film, car il s'agit d'un testament, celui de Giancarlo Coppola. Et oui, Giancarlo Coppola, qui était donc le fils aîné de Francis Ford Coppola, et qui fut commissionné après le tournage pour réaliser quelques plans supplémentaires de la ville de New York, puisque Giancarlo était tout simplement l'ex-petit ami de la fille de la réalisatrice de Jumping Jack Flash, Penny Marshall. Mais il décéda dans un tragique accident de bateau, dont nous tairons les détails ici, et il est mort peu avant les prises de vue. Le film lui est donc dédié. Et pour ne pas se quitter sur une info aussi triste, parce que franchement c'est un petit peu triste, c'est pas la joie. Comment Nico et moi aurions-nous pu choisir autre chose qu'un film intitulé Jumping Jack Flash ? Impossible. 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 Même si je me dois de vous dire que Joe ici présent pensait qu'il s'agissait du film de Whoopi Goldberg avec le T-Rex. Mais si, souvenez-vous. I'm back. And now she's getting a new partner. His name is Teddy. Je pensais que c'était ça, moi. Ouais. Je pensais pas que c'était ça, hein.